Excusez-moi! Excusez-moi! Je peux vous aider? Ça dépend! C'est vous l'autorité ici? Oui. C'est moi le père de ces lieux, oui. Eh bien, je vous en félicite. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ici? L'église est fermée, là. Attendez, vous avez pas reconnu? C'est pas votre bonne oreille musicale qui vous amène à moi? Non, c'est votre infraction qui m'amène. C'est Schubert. Ce n'est pas la question. Vous n'avez pas le droit d'être ici. C'est vrai, j'oublie toujours les bonnes manières. Geoffroy de Montmout, et vous? Abbé Jacob. Abbé? Jacob. Vous êtes sûr d'être au bon endroit? J'ai pas le temps de plaisanter. Descendez de là, s'il vous plaît. Attendez! Ne tournez pas le dos, mon père, l'heure est grave. Le Saint-Esprit me fait la gueule. Vous avez bu? Juste un doigt. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Me libérer de mon mal. L'heure du pardon, c'était à 15h30. Revenez demain. Non, c'est impossible, mon père. Je dois me confesser maintenant. Écoutez, monsieur... Geoffroy de Montmout. Écoutez, j'ai un rendez-vous important. Si vous tenez vraiment à l'absolution, revenez demain. Mais là, je suis très pressé. Et moi, je suis claustrophobe. Écoutez, donnez-moi 3 minutes dans la boîte. Je vous assure, je tiendrai pas plus. J'ai pas le temps, là. Mon père, je vous en supplie! Bon, 3 minutes. Allez vous installer, je vous rejoins. Merci. Ça va, ça va. C'est ma place ici. Vous, c'est de l'autre côté. €15 milliards dans les poches et l'église opère toujours sur des modèles archaïques. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Éclairez-moi, mon fils. L'investissement, c'est pas chrétien. Bien, on peut commencer. Attendez, c'est du parfum que je sens, là? Oui. Jacob, je suis flatté, mais je suis un homme marié. Il vous reste 2 minutes. Ok. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Quels sont vos péchés? J'ai perdu la foi. Que s'est-il passé? Je crois que j'ai grandi. Vous pensez que l'âge a un effet sur les convictions? Oui, mon père, oui. C'est plus facile quand on est petit, ça rend la vie meilleure. J'ai du mal à saisir, mon fils. On célèbre la naissance de Jésus avec des jouets et sa résurrection avec des Kinder Surprise. Je vois. Et puis c'est plus conforme à la règle. Quand j'étais petit, moi, tous mes potes étaient croyants. À part peut-être un. Et il est gay, donc... Bien. Vous savez, mon fils, qu'il y a une différence entre l'incrédulité et le doute. L'incrédulité est un péché. Mais le doute que vous ressentez est humain. Et s'il est bien entretenu, peut même consolider votre foi. Mon fils, vous avez perdu la tête? Rangez immédiatement cette bouteille, c'est interdit en ce lieu. Faux, c'est une bénédiction. C'est Jésus qui dit « Buvez ceci, c'est mon sang ». Là, je le sens à l'intérieur de moi et je peux vous dire, il fait des miracles. Excusez-moi, je suis très pressé, il faut vraiment que j'y aille maintenant. Aussi, je terminerai par ces mots. En temps de doute, écoutez toujours votre cœur, car Dieu est amour. Déjà fait, la pute m'a trompé. Pardonnez mon langage. Pas avant que vous ayez récité l'acte de contrition. Alors donc... Ma fille a essayé de se suicider, voilà ce qui s'est passé. Continuez, mon fils. Ça fait une semaine maintenant. Ses poignets commencent à cicatriser, mais pas ma petite, non. Pas encore. Elle est obligée de prendre des antidépresseurs pour calmer ses nerfs. À 13 ans, putain! Poursuivez. Et gros comme je suis, putain, j'ai rien vu venir. C'est souvent malheureusement le cas avec les dépressifs. Dépressifs, de quoi vous parlez? Ma fille a été violée. Mon Dieu. Vous avez identifié le coupable? Non.
C'est tout le principe des prédateurs sexuels sur le web. Mettre une fausse photo de profil, viser les jeunes, profiter de leur naïveté, justifier son mensonge en leur offrant un cadeau et le moment venu, dérober leur innocence. Mon fils, vous devez regarder cette épreuve comme une école du caractère de Jésus en vous. Et bien alors j'ai échoué lamentablement. Pour quelle raison ? Parce que je pense pas qu'il aurait profité de l'insouciance de ma fille pour retrouver le coupable. Vous savez, vu que je suis flic, j'ai des collègues qui ont des logiciels exprès pour traquer ces dégénérés. Et ma petite avait oublié de se déconnecter de son chat. Suffisait juste de continuer en me faisant passer pour elle. J'ai une dernière question pour vous. Pour la pénitence, une simple prière suffit ou est-ce que moi aussi il faut que je me déshabille ? Comment osez-vous ? Vous êtes abject. Je vous insupporte. Que tu aies pitié de votre âme!